C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nouvelle saison pour les rendez-vous économiques sur Oxygène Radio avec le Serre France Maine-et-Loire et Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Michel, nouvelle saison et on l'avait quitté évidemment sur une fin de saison un petit peu mouvementée. On la démarre un peu plus sereinement, mais en tout cas, on a quand même pas mal de choses à aborder. Et on parle tout d'abord, en ce début de semaine, des arrêts de travail pour les gardes d'enfants. Comment ça se passe à partir de ce mois de septembre? Oui, on est tous un petit peu concernés par ce sujet, c'est-à-dire qu'on sait que les écoles peuvent fermer par le fait qu'il y ait un cas avéré. Donc, en tant que parent, évidemment en activité professionnelle, il faut avoir le bon réflexe. Le premier, c'est évidemment d'informer votre employeur de la situation. Le deuxième consiste à vérifier auprès de votre employeur si vous pouvez réaliser le télétravail. Et enfin, si tout ça n'est pas possible, votre employeur vous mettra dans un système de chômage partiel, hein, d'activité partielle, et vous aurez l'indemnisation à hauteur de 84% de votre salaire net. Hein, donc c'est par étape. Un, je déclare. Deux, je vois si je peux faire du télétravail. Et enfin, si tout ça n'est pas possible, on se retrouve dans le cas du chômage partiel et puis de l'arrêt de travail, sécurité sociale. Le côté positif, c'est que les solutions sont en place. C'est ça, les solutions sont en place et avec une petite précision, c'est que évidemment ça n'avait pas été prévu suffisamment tôt, donc il y a un effet rétroactif de la loi. Si vous êtes concerné depuis le 8-10 septembre et que le dispositif n'était pas encore en place, sachez que vous pouvez le mettre en place a posteriori, avec un effet, on va dire, rétroactif, sans aucun problème. Merci Michel Besançon pour le Serre France Maine-et-Loire. Et évidemment, si on veut plus d'infos, il n'y a qu'à contacter son cabinet comptable, Serre France, à Angers, enfin un peu partout, il y a plusieurs agences d'ailleurs. 12 agences. Merci, à bientôt. Merci Laurent. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.